Hey, eh bien salut tout le monde, c'est Feronium et aujourd'hui content de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Après notre petite aventure sur Minecraft Soul Hardcore, là on se retrouve pour une série de maps Minecraft du coup, modée bien sûr, inspirée du jeu Portal. Et là du coup, pour le coup, c'est Portal Hall of Science. Avec un bel accent marseillais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, la musique colle pas trop à l'intro. Mais bon. Donc voilà, Portal Hall of Science, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement. Alors, je crois que ce sont les tests, les salles de test du premier Portal, ou même voir le jeu Portal adapté sur Minecraft. Donc, on va voir ce que ça donne. Et en tout cas, moi, j'aime bien les casse-têtes. Et il faut savoir que je n'ai pas joué au Portal. Enfin, au jeu Valve, tout simplement. Donc là, voilà, on se retrouve du coup pour, eh bien, Portal sur Minecraft, avec le pad de texture, les mods et tout, nous sommes sur Minecraft en 1.2.5. Et, eh bien, espérons que tout se passe bien, et c'est parti. On y va. Hop là. Bon, d'accord. Là, il y a une petite musique. Alors bon, ouais, la musique, la première musique, elle colle pas du tout à l'ambiance. Et j'ai déjà des ralentissements. Enfin, à chaque fois que je lance l'enregistrement, en fait, j'ai mon processeur qui fait n'importe quoi. Mais enfin, bref. Et bien sûr, la map est en version française. Alors, bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aparton Science. Nous espérons que votre détention volontaire forcée s'est bien passée. Votre échantillon a été traité, le test peut donc débuter. Avant de commencer, vous devez savoir que même si la science, la sécurité et le divertissement sont au cœur des priorités du centre, vous risquez de subir des liaisons irréversibles. Excusez-moi, je vais changer de musique. Ok, re tout le monde. Donc en fait, j'ai décidé que j'allais mettre une musique de fond au montage parce qu'il y a vraiment beaucoup de musique. Ce sont des musiques qui sont proposées avec la map que vous pouvez trouver sur Minecraft France, Minecraft.fr, enfin plein de sites français et tout. Donc ça ne va pas être compliqué. Alors, donc, la suite. Avant de commencer, vous devez savoir... Oui, ça, on avait déjà lu. Donc, la suite. Alors, j'utilise un pad de texture qui, normalement, est prévu pour... qui, normalement, est prévu pour cette map. Et c'est la version 32. La version 32 bits, ouais. Hop là, on passe par le premier portail. Qui sont générés avec des trucs comme ceci. Alors je crois que j'ai un peu fusionné le pad de texture avec ce pad de texture avec un pack de BDcraft en fait. Et je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors je sais même pas si ça va prendre en compte. Salle 00, première salle de test plutôt. Donc là on retrouve nos petites plaques de pression. Hop là, voilà, j'ai Optifine bien sûr. Prenons comme exemple le cube de... Oui, enfin bref, on va pas le lire. Alors là, on a ça. Est-ce qu'on peut le pousser? Normalement, en appuyant sur G, voilà, on peut le transporter même sans avoir de Portal Gun. Donc c'est parti. Ah oui, ça me dit bien ça. Enfin, j'ai fait une autre map des mêmes créateurs. En fait, c'est la suite de celle-là plutôt. Et vous inquiétez pas, je la ferai en vidéo aussi. Mais bon, on n'est pas encore à la fin de celle-ci. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Parfait, prenez la sortie après avoir complété chaque salle. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation, à chaque fois j'ai du mal à lire, matériel d'Aperturm Science vaporisera tout objet non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté. D'Aperture Science, voilà. Donc on retrouve les mécaniques du jeu Valve. Donc hop là, c'est parti, salle 01. Ok. Est-ce que ça va être vraiment comme le jeu? Et est-ce que ça change de... Allô? Puis-je avoir un portail? D'accord, donc attendez.
On va attendre. Donc celle-là, non. Celle-là, je vois pas ce qu'il y a. Ah, ça c'est la sortie. Ah, le cube. J'ai besoin du cube. Bon, vu que le mode est un peu mal fichu, genre quand on traverse avec le cube devant, en fait, le cube, il se bloque dans le portail, donc faut genre faire comme ça, voilà. Et là, on va attendre, voilà, hop, j'ai pour appuyer là, ici, on va attendre ici maintenant, et voilà, bon, première salle terminée. Rien de compliqué pour l'instant. Parfait, dirigez-vous rapidement vers la sortie, car l'effet d'une trop longue exposition à la plaque pression n'entre pas dans le cadre de ce test. Nous apprécions votre diligence. Ok, d'accord. Les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre du protocole de test, mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'appartenance se occasionne des dommages au niveau du plombage. Des couronnes et des dents. Alors je crois que c'est exactement les mêmes dialogues que dans le jeu. Avec GLaDOS bien sûr qui parle. Ça les heureux. Mais bien sûr GLaDOS n'est pas là malheureusement. Et là. Oula. D'accord, très bien. Ah, ça s'ouvre ici. Oui. Donc là on revient où on était. Ah non. Ah cool. Et ah non, c'est ça. Hop là. Et voici notre Portal Gun. Avec un magnifique bug de texture. Ah non, à moins que je... Oula, attendez. Je reviens. Et re tout le monde, c'est bon. J'ai réparé la petite erreur. Donc surtout, petit conseil... Ne pas mélanger de pas de texture, ça le fait pas. Oh, ça c'est, voir ça s'est ouvert là-haut. Et même pas t'as besoin de. Ah bah oui, bah non. Bah oui, on a que le bleu pour l'instant, donc ça se passe exactement comme dans le jeu. Excusez-moi. Bien, vous êtes maintenant en possession du générateur de portail d'appartenance. Celui-ci vous permet de créer des portails. Les portails du générateur sont sans danger, contrairement au générateur. Ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas activer le... Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça n'est pas... Bon, on continue. Pour le coup, hop là, salle 03, c'est parti. Alors je compte faire le jeu de base, hein, bien sûr. Ok. D'accord. Ah oui, quand même. Et là... Ici, je présume, comme ça. Oui. Ok, bon. Hop, hop. Bravo, le programme Préparer votre enfant au monde du travail d'appartement science est le meilleur moyen de l'évaluer. En accord avec nos études, vous en sortez bien. Ok, ok. Ah, très bien. Boum, salle 04. D'accord. Et ici, il y a un cube. Cube que nous n'avons pas. Là, je pense que ça va l'activer. Hop là. J'ai. Bon. Bon, bah tout se passe bien. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Salle 05. Ouh, nous avons deux plaques cette fois. Oh, tiens. D'accord, un portail là, un portail là. On va appuyer sur le bouton. Appuyons sur le bouton. Le bouton est là. D'accord, très bien.
Ah, on peut pas, parce que c'est... oui. Et donc... Ah, bah, on a un autre là. D'accord. Est-ce qu'on peut le choper de là? Non, c'est de la triche. Bon. Hop. Et hop là, pile poil sur la plaque. C'est bon, on y va. Ah, très bien. Ok. Hop là, on va en haut et on vient ici. Bien, alors oui, j'ai le réflexe à chaque fois d'enlever mon, mon portail de mes mains, je sais pas pourquoi. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne serez pas surveillé dans cette salle était une information totalement fictive. Beau travail. La sécurité est au cœur des nombreuses préoccupations du centre. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Apertum Science à gauche de cette salle peuvent provoquer des lésions irréversibles. Attention. Très bien, répète un peu la même chose. Oh, oh, c'est nouveau ça. Salle 06. C'est marrant, ils ont pas changé la texture du sable. Oh, ces trucs là. Oui. Hop. Voilà. Donc, parfois il y a des trucs dans les coffres, bon ça m'étonnerait. Incroyable. Nom du sujet, vous devez faire la fierté de ville du sujet, d'accord. Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques d'Apertum Science. Pour votre sécurité, ces mécanismes de sécurité ont été désactivés. Les sphères ultra-énergétiques d'Apertum Science pour... D'accord. Hop, s'il te plaît. Hop là. Salle 07. Bien, où est le bouton? Le bouton est ici. Oui. Ah, très bien, très bien. Ok. J'ai pigé, oui, non, j'en fous. Oh, mince. Presque. Ah, voilà. Hop. Alors, l'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de cette salle, la mention Nope sera inscrite sur votre rapport de test officiel, puis vous serez mis à mort. Bon courage. Ok, bah ça donne envie. Ça donne vachement envie. Salle 08. Déjà 08. Déjà. Oui. Là on a ici. Et ah. Ah non, même pas du tout. Je dirais que c'est là, comme ça. Parfait. Sauf que... Oh là là, qu'est-ce que je déteste ça. Ouh. C'est bon, c'est passé. Très impressionnant, toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Le centre d'enrichissement est le regret de vous annoncer.
Blanchissement. A le regret de vous annoncer que cette salle de test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer, le centre vous présente ses excuses pour ce désagrément et vous souhaite bonne chance. D'accord, très bien. Ça donne envie. Enfin, ça donne envie, oui, j'arrête pas de répéter la même chose. Donc apparemment, ça, c'est impossible, c'est ça? Mais j'en ai pas l'impression, moi. Nous avons un cube. Notre truc est là. Hop. Et... Ah. Faut que je pense à le lâcher. Faut que je pense à le lâcher. Bon. Hop. Bon, on recommence. On recommence, on recommence. Ah. Et non. Loupé. Mais... Ah oui, il tient le cul vraiment super loin de son corps. Ouais, donc non. Faut vraiment... Hop là, faire ça comme ça. Bon, on va bien réussir de toute façon. D'accord. Oh, c'est marrant comment il tombe. On avait réussi tout à l'heure. Voilà. Hop là. Alors ? Merveilleux, vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité malgré une situation très décourageante. Ouais. Bah, pas tant que ça, pas tant que ça, je dirais. Quand même, là, c'est vraiment super facile. Ok, là, on a ça, et là, on a ça. Ok, d'accord. Hop. Hop, et... Bon, je voulais pas sauter tout de suite, mais ça marche. On va essayer comme ça. Non. Nope. Donc si, hein, je pense que c'est ça, il faut juste... On peut pas, genre, plus ça va, plus on va haut, non? Non, ça marche pas. Non. Ah, c'est bizarre. Je pensais qu'en faisant ça, en fait, ça allait nous accélérer. Ah, mais attendez. Bah oui, bof. On va voir s'il le cache, c'est sûr que... Hein? Et donc... Ah oui, et là on ira plus vite vu qu'on est plus haut. Non, pas du tout. Très bien. Ouais. Ça sert à quoi, ce bouton, il sert à quoi? Tu parles, ça sert à rien, ça. Ah, plus bas. Bon, ok. Juste une question, à quoi sert ce bouton? Je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Ok. Et voilà, tu vois là, ça change rien, ça. Bah non. Ah. Non. Oui, non, non. Je sais pas, là, vous voyez, il est plus avancé que tout à l'heure, bon. D'accord, hein. Peut-être en sautant.
Oh oui. Ok, bah c'était juste ça. Ouais, bon. Hop. Hop là. Extraordinaire, vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique dont leurs noms influencent. De leurs noms influence. Ok. La dynamique est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement sort rapidement. Le centre vous garantit un environnement de test sans danger. Il s'engage à offrir quelques conseils au sein des environnements de test les plus dangereux. Exemple, le sol de la salle vous tuera. Évitez-le. Oui. D'accord. Salle 11. Salle 11. Eh bien écoutez les gens, moi je vous propose de mettre fin à ce premier épisode ici et maintenant. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire en tout cas. Et moi bah, ça me fait plaisir de pouvoir faire un peu de portal sur Minecraft. Bon forcément, ne vous inquiétez pas. Enfin bon forcément, je jouerai. Et je ferai les portals sur PC, donc ceux qui ont été faits par Valve. Les originaux, je les ferai un jour sur la chaîne, je ne sais pas quand. Mais là, en attendant, nous sommes sur Portal Hall of Science sur Minecraft. Voilà. Allez les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, ou même vous abonner à la chaîne si cela vous le dit, enfin si vous en avez envie. Et moi... Eh bien, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Salut tout le monde, c'était Farnium.